partido. Et une journée exceptionnelle. Tu as décidé de ralliger ton crochet pour mettre fin à ta carrière de raseteur avec ta famille, tes amis et tes proches. Charles, quelle passion tu as eue! La passion du bien. Durant ton adolescence, tu voulais faire du tennis, ce qui est entre nous est moins dangereux. Mais dû à tes notes à l'école, tu as pu pratiquer ce sport. Un jour, je t'avais demandé de m'accompagner à l'école Autorine de Bouillarde, dirigée par Claude Dumas. Ce jour-là, sans t'en rendre compte, ton regard bleu étoilé, innocent et réservé, s'est tourné vers le monde de la bougie. Charles, c'est à l'âge de 15 ans que tu décides d'intégrer à ton tour l'école Autorine de Bouillarde, malgré ta timidité. Tu as réussi à te faire une place parmi tous les autres. Mais alors,
Qu'est-ce qu'on a eu comme surnom? Déjà, moi, c'était Moustique. Mais après, ça a été Kukifuk, Juichi, et Chana peut attacher un autre, et j'en passe. Tu as fait ton chemin, sans rien dire, ou même sans tricher. Tu es resté toi-même. Durant tes premiers entraînements, déjà, tu fonçais droit sur le taureau, à croire que tu voulais manger. Tu as suivi les bons conseils de Claude Dumas. Par la suite, avec l'école taurine, nous déplaçons dans différentes arènes, jusqu'au jour où la course d'entraînement se déroule aux arènes de Boisé. Ce jour-là, une personne était là pour voir tous les jeunes rasoter. Gérard Barberac, acquis par ton courage, ton savoir-faire, mais surtout ton style de rasé, qui était beaucoup apprécié, t'avait repéré. À la fin de l'année, tu passes tes présélections qui fut enrichissant pour toi. L'année qui a suivi, tu passes en protection sous l'œil de Barberac, à qui tu as transmis des frissons de peur, mais aussi de courage. C'est à quel point tu passais très près des taureaux, sans même savoir à qui était le taureau. Pour toi, tous les taureaux étaient pareils. Une tête, deux cornes et quatre pattes. Dans ton insouciance, tu rasetais parmi tant d'autres. Avec ton secret, ce qui t'a permis de progresser de course en course. Charles, c'est à l'âge de 17 ans que tu accèdes au Trophée de l'Avenir. En l'espace de 2 ans, tu passes de l'école taurine au Trophée de l'Avenir. Qui l'aurait cru ça au début? Quand j'ai décidé de tourner pour les frères Chana, je savais que j'allais passer des moments où j'allais m'arracher les cheveux. Suite à une grave blessure, la collaboration avec Jean s'est arrêtée plus tôt que prévu. Et si j'avais un mot pour définir Charles, si on était un tauromachie espagnol, je le classerais dans la catégorie des tremendistes. En course camarguaise, on dirait déraisonnable, à la limite kamikaze. Dans le style Frédéric Durand pour donner une référence. Mais déjà, descendre dans une arène pour courir devant les taureaux, est-ce bien raisonnable? J'ai toujours considéré que la relation tourneur-raseteur doit aller au-delà d'une simple collaboration sportive. Il s'est tissé de vraies liens d'amitié avec les raseteurs pour qui j'ai tourné, Caleb Barry, Stéphane Rouveyron, Julien Mouff. Et avec Charles, c'est pareil. On a toujours plaisir à se rencontrer autour d'un bon repas pour parler taureau, mais aussi de la vie en général. Et notamment de Gabriel, qui est maintenant le centre de sa vie avec sa compagne Charlène. Il se trouve que je suis grand-père depuis pas longtemps d'un petit Gabriel qui a presque le même âge que le petit Chana. Charles, je l'ai vu arriver en course de protection. L'ancien nom des courses de ligue. Je faisais partie de la commission qui statue en fin de saison pour le passage du stagiaire au Trophée de l'Avenir. Certains hésitaient à le faire monter tant il était foufou et inexpérimenté. Pour prendre sa défense, je prenais l'exemple d'Éric Jourdan ou de Frédéric Durand qui, à leur début, commettaient pas mal de fautes, avaient tiré quelques lippes, mais ça ne les avait pas empêchés de faire une belle carrière. C'est difficile d'empêcher un jeune qui a de l'envie et du mordant. Quand il m'a demandé de tourner pour lui, j'ai rapidement accepté en pensant que je pouvais lui apporter mon expérience. J'ai essayé de le canaliser et de le préserver, mais ça n'a pas toujours été facile, car la passion l'emportait souvent sur sa technique. Il serait trop long d'énumérer tous les bons moments, mais aussi les mauvais, les blessures vécues au côté de Charles. Mais si je devais en retenir 3, ce serait toutes les fois où moi j'étais dans la gestion, que lui disait toujours calme Charles, calme, calme, et lui il trépignait
signer en me disant « Appel, appel, je veux le prix du meilleur animateur, je veux le prix du meilleur animateur. » Il y en a rapporté plusieurs, comme ici, à la Marguerite d'Or ou au Grand d'Or à Montfrin, par exemple. Le deuxième souvenir que je retiendrai, c'est les affrontements avec Castella de Laurent, que ce soit à Saint-Laurent-des-Gouzes ou à Montfrin, avec des arrivées tonitruantes, dont une où il ressort blessé, tant et si bien qu'à lunettes, je l'attrapais et je l'empêchais de le raseter. Et enfin, la dernière image qui me restera, c'est cette action avec le taureau bombeur de Saint-Pierre à Vergès, sur un énorme coup de barrière. Le taureau lui déchire le t-shirt en deux, bascule avec lui dans la contre-piste, le propulse sous les gradins, et Charles, de regarder son crochet, voyant qu'il avait levé la ficelle, la brandit, le poing serré, en direction de la présidence. Ça, c'est tout, Charles. Voilà, je pense que ces trois anecdotes reflètent bien ce qu'a été la carrière de raseteur de Charles. Pas une star comme Aloani, mais un raseteur courageux, avec un style qui avantageait les taureaux, qui n'a pas été épargné par les blessures, et qui a apporté sa pierre à l'édifice de la course camargaise, en faisant le bonheur des quelques reins et des aficionats. Pour tout ça, Charles, merci. Thank you.